Porte de rappeler que Piloin Pifon, c'est une sorte de forum côté nous discuter sereinement de toutes les grandes questions de l'heure et de tous les événements saillants de l'actualité de la semaine pour l'édification de tout un chacun. Madame, Monsieur, Yoreline Taylor-Rigaud, ça fait très plaisir d'être à vos côtés tous les dimanches à pareille heure et nous vous remercions non seulement de votre fidèle écoute, mais aussi et surtout de votre support psychologique admirable. Actualité dans le pays d'Haïti semaine ça encore marquée par ce arrêt de travail illimité que les avocats du barreau de Port-au-Prince a observé depuis déjà 2 mois suite à cet incident qui était enregistré jour mardi qui était 9 octobre dans le parquet Port-au-Prince côté avocat agréfié ta victime d'agression physique et qui conduit d'abord au limogeage du directeur départemental de l'Ouest Police Bergson Soljour principal accusé, et finalement à la démission du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Clamé Oknam Damius, Jean que avocat yoté mandé l'an, Jean que yoté exigé l'an. Actualité, pas bon ici, semaine ça, c'est aussi le projet de loi de finances 2018-2019 que le ministre de l'économie et des finances, Onal Décembre, t'a déposé et dans le Sénat République l'an, et dans la Chambre députée, jour mardi, qui était 11 décembre 2018 l'an, soit après 6 mois de retard. Et puis, l'important pour mettre projecteur sous dossier Dermalog l'an, qui c'est un contrat de 27 millions de dollars américains que l'État haïtien a passé avec une firme que aurait les Dermalog pour fabriquer 4 identifications nationales, mais un contrat qui t'a passé au grand mépris des lois, c'est-à-dire sans l'avis favorable de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, d'après le sénateur Yuri Latortu, qui c'est le président de la commission éthique à corruption dans le Sénat, qui a enquêté sur le dossier ça, qui gagne nom première dame l'an, Madame Martine Moïse, cité là-dedans, dont le bureau a vite fait d'apporter une démenti formelle à sa cap d'Io. Voilà, c'est surtout de cela qu'il sera question ce dimanche dans Piloin Pifon, côté n'a pas accueilli avec enthousiasme 3 personnages pour lesquels nous avons de la différence. Antoine Augustin, qui est sociologue, prof à l'Université d'État d'Haïti, coordonnateur du Centre d'éducation et d'intervention sociale, Édouard Poultre, qui est coordonnateur du Conseil haïtien des acteurs non étatiques, et Willy Jean-Louis, qui est sociologue, spécialiste en renforcement institutionnel et évaluation de projet. Donc on te pose l'abvini. Piloin, Piloin, Pifon, Pifon. Tous les dimanches, 11h30. C'est nous vous rappeler que vous sur Radio Vision 2000, côté web suivre émission Piloin Pifon. Piloin Pifon, côté n'a pas accueilli 3 remarquables personnalités, Antoine Augustin, Édouard Poultre et Willy Jean. Antoine Augustin, bonjour, bienvenue dans Piloin Pifon. Bonjour Taylor, bonjour à Panélisio qui l'a avec moi. Bonjour les amis qui l'a avec Édouard Poultre. Il n'y a pas de nouvelles, 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 et puis nous, tout bien en forme, avec l'autre invité, que Baron Non. Willy Jean-Louis. Willy Jean-Louis. Et à technicien qui a travaillé avec vous, bonsoir. Max Soméus. À auditeur, auditrice qui a travaillé avec nous là. Alors, forme tout rapidement, l'homme vient dans l'émission, matin, dans le Piloin Pifon, pour une raison essentielle. Pendant longtemps, malgré pas aller nous faire. Mais nous fermer chez nous sur les questions essentielles, les questions fondamentales. Et je dis à mes côtés rivés. Pourquoi je dis à me dénoncer une situation, un pays qui vit dans la grande souffrance, la grande, grande souffrance. Je viens dénoncer cette situation. Ça. La grande souffrance, d'abord, c'est une souffrance humaine. Nous, comme monde, comme être vivant qui vivent dans notre tête, dans l'espace géographique, nous avons mouru là, la grande souffrance humaine. Je viens de dénoncer la question. Il y a une souffrance tout qui prend forme de grande misère spirituelle.
nous prenons plaisir dans bouler moun, nous prenons plaisir dans tirer moun à un balle dans tête, nous prenons plaisir à payer moun vinn tirer moun, nous prenons plaisir à bouler moun, à battre bravo, à content. Bagay ça faut vraiment haïtien le je viens dénoncer souffrance ça. Je viens dénoncer une troisième souffrance. Une souffrance qui, c'est que nous bloquons nous prisonniers de l'État. Nous prisonniers de l'État et de l'oligarchie. Nous sommes prisonniers. Et bagay ça, non seulement je viens dénoncer, mais dit tout intellectuel, tout élève, tout citoyen, tout peuple là, levez camper. S'il ne pas levez camper, là trop tard. Génération pas nous, dans l'âge mouillé là, l'âge pas Edouard Paul, pays a effondré sous nous. Effondré sous nous, malgré yon nan nous, à droite ou à gauche à parler, mais je dis à ce peuple là pour qu'il va camper. Dans sa nye là, nous plongeons tout droit dans la falaise là. C'est pour ça que je suis dans l'émission matin. Edouard Paul, bonjour, bienvenue dans Pilopi Fond. Et nous saluons et tout auditeur avec auditrice Pilopi Fond et Radiovision 2000. N'a salué Panelicio et Antoine Augustin qui sont vieux amis et toujours apprécié pour profondeur et participation li dans l'émission. C'est un professeur qui pas non capable de dire qui pas détaché véritablement de une préoccupation qui kembe nous tout à cœur, c'est l'effondrement moral de société a, ou van valeur éthique yo qui pas existé encore. Donc moi très content participer avec lui, professeur Willy et Jean-Louis, c'est première fois moi participer dans l'émission. Moi content d'être déjà sur d'autres dans d'autres émissions, mais vraiment son plaisir pour nous participer avec vous. Et n'a première sur Taylor pour invitation qu'on fait. Nous pensons que nous avons une petite contribution par rapport à gens introduit émission thématique qui dominait actualité à que ce soit question corruption qui kembe actualité a, que ce soit l'autre sujet qui lié avec actualité a, nous pari pour nous bayon ti contribution par nous pour nous wesi nous ka participer dans formation opinion opinion publique là. Et Jean-Louis, bonjour, ça fait un peu de plaisir que nous recevons dans Pilopi Fond. Bonjour Telorico, bonjour tout auditeur, auditrice, c'est émission Plus Loin Plus Fond. Je salue le professeur Antoine Augustin qui est un aîné, un professeur que nous avons l'habitude d'entendre sur radio, qui commence dans l'émission Plus Loin Plus Fond pour tes paroles plus fort et plus fond. Nous espérons que le débat après un débat en profondeur. D'ailleurs, il est annoncé pour occupation. Nous avons ces préoccupations, nous tous qui sont au panel. Je salue Monsieur Edouard Paul, qui c'est une voix autorisée dans la société civile à travers Conan, qui me content de tout, qui me rencontré une fois et dans FAES, à Plateau Central. Et puis, je suis honoré du fait que tu es l'homme parmi des aînés, donc je m'espérais que nous parlions d'équilibre des générations à travers des bazars qui sont des bazars intéressants que l'auditeur va attendre. Merci à tous. Moi, je m'en dis. Hein. Première question, moi, c'est pour Antoine Augustin. Antoine Augustin, écoutez. C'est mardi qui était 11 décembre là, soit après 6 mois de retard, que le ministre économie et finance, Ronald Décembre, a finalement déposé le projet de loi de finances 2018-2019 là, et dans le Sénat République là, et dans la Chambre députée à Yon, un budget qui prévoit 172 milliards 825 millions de goudes et bien pour l'exercice fiscal 2018-2019 là. Ça vous attire l'attention? Oui, ça a toujours attiré l'attention parce que bon, le budget c'est à la fois l'expression de la politique de l'État et du gouvernement, mais c'est tout l'expression
de type de réponse l'État portait à des préoccupations nationales, à des problèmes comme par exemple les inégalités sociales, comme des problèmes la faim, comme le problème du chômage des jeunes, pour me citer de phénomènes. Il se trouve que moi pas qu'à exprimer une opinion fondée sur le budget pour la simple et bonne raison, c'est que je parle du budget. Bah ouais, articulation, ventilation, distribution, portion. Sauf que me demandez, quatre députés que tu as parlé, ils disent que le budget c'est 15% qui est destiné à saluer les projets sociaux. Et ça, à mon sens, qui témoignait de l'absence de vision du gouvernement de l'État par rapport à des préoccupations essentielles des groupes d'en bas qui exprimaient très clairement à travers les mobilisations du 6, 7, 8 juillet, du 7 octobre et du 18 novembre. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a une réflexion sociologique pour qu'il fait, c'est que l'État, à mon sens, les administrateurs continuaient aveugles et sourds à manifestation revendication du peuple. Et même penser qu'on démarche tout pour qui fait avant budget à voter. Qui n'a député à voter budget. Qui n'a aucun député à voter budget. Ça faut dire. Parce que dans les députés a dit, le gouvernement pour qu'on présente rapport, ça a été fait avec le budget déjà. Parce que nous fermons les jeunes, nous collons de bagaille, nous ne pas participer comme citoyens. Puis n'a aucun député à voter budget. Il faut gouvernement déposer dans le Parlement qui salte fait comme le bail là. L'argent, loi de finances 2017-2018 là, qui ça a été fait. Et là, ça, la fait reddition des comptes. Il y a un côté de dépenser l'argent, à bon escient ou mauvais escient, elle fait voter loi de finances là. Mais est-ce qu'il a toujours été dans les habitudes donc, du gouvernement pour y procéder de cette manière? Moi, par contre, et gouvernance administrative générale là. Donc, il faut me prudent dans la réponse. Sauf que, le fait que dans des députés exprimés, probablement le conseiller quelque part, dans quelques procédures, dans quelques lois, là encore faut-il que nous fouillions de plus fond, plus près tout pour nous avoir s'allier. Mais exercice là essentiel, nous débarrouillons l'argent, parce qu'on te dit qu'on va faire tel bagarre avec elle, je dis, il y a d'ailleurs un premier problème. Un premier problème qui exprimé depuis l'exercice 2016-2017, et qui réarticulait 2017-2018. C'est que le gouvernement prend tout comme ministère rentré dans la caravane. Je dis à M. qu'on est résultat de la caravane. Est-ce que tu as une loi pour ça? Est-ce que pas de tout le monde font? Est-ce que ça me doit faire comme président, comme premier ministre? Est-ce que c'est procédure à ça? Est-ce que c'est comme ça l'État doit marcher? C'est des questions essentielles. Sauf que je suis là, on y a quitté l'autre panel et j'ai exprimé sur le point ça. Ils ont résumé. Faut gouvernement déposer dans le Parlement rapport de l'argent qui est dépensé dans le budget de Bali déjà. Et puis, il n'y a aucun député voté, quelle loi, tout le temps pas déposer rapport ça, tout ça. Mais est-ce que député Antoine Augustin par une part de responsabilité dans ça, compte tenu du fait que il n'y a pas de gens exigés? Donc avant ça, que le gouvernement procédait de cette manière, c'est là que mis avec vous. Non, c'est tout à fait, le député, non seulement le responsable, c'est ça qui faillit là. C'est ça qui faillit là. C'est ça qui faillit là, fondamentalement. C'est que au gain des mondes, vous mettez là, il par contre est imputable. Il par contre la mission de l'élite, la vocation de l'élite. Yeah. Pour qu'il me mette là, pour qu'il me bat poste là, pour qu'au ministre, pour qu'au directeur général, pour qu'au député, pour qu'au sénateur. Ça va là, là. Les impressions d'Edouard Poultre sous même dossier ça, ça fait budget. Et bon, malheureusement, dans même stade avec le professeur Augustin, et budget a déposé effectivement dans ce semaine, n'a même pas véritablement fait aucune analyse. Et sous budget. Pas capable de prononcer moins. Il y a un ensemble de postes dans le budget pour moun garder est-ce que budget qui déposé à li répond à certaines exigences des citoyens. M'a dit par exemple
une exigence citoyen aujourd'hui, c'est pour réduire question privilège yo accordé et monsieur et dame qui a travaillé sous gouvernance pays, que ce soit parlementaire, que ce soit que ce soit membre du gouvernement. M'a rappelé que gon ensemble de frais qui dépassait tout entendement et que allocation ça yo citoyen yo pas comprendre que on finance pays qui a terre en lié et puis pour longer 50 000 gourdes pour faire location téléphone pour allocation téléphone et 50 000 gourdes pour allocation gasoline. Bon, personne pas comprendre. Personne pas comprendre bagay sa yo. Personne pas comprendre comment se fait-il y a payé des logements dans budget l'état, y a payé logement pour parlementaire, y a payé logement pour ministre. C'est son bagay qui dépassait entendement citoyen yo. Comment se fait-il que c'est 5000 dollars américains yo bay au ministre pour payer logement et on caille pour le rester ou comprendre ça m'a dit. Donc voilà pour qu'on capable prononcer moins sur budget pour moi. Est-ce que 40 millions de gourdes que était 40 millions de gourdes pour bureau ministre, est-ce que le toujours existait? Ou comprendre, moins besoin d'information ça avant que moins capable fait yon en tout cas dégage un point de vue sous budget, de telle sorte que jodi a et budget que n'attend que parlementaire yo voté a, c'est un budget qui dégageait des fonds effectivement pour appui a besoin sociaux pays a, pour appui à secteur social yo, que ce soit l'éducation, la santé, etc., sécurité. Nous besoin que gagnent l'État capable véritablement soutenir certains programmes sociaux pour l'ensemble de la nation. Pendant qu'on parle de éducation et droit poultre, nous constater que la part du lion dans ministère, c'est le ministère de l'éducation nationale qui t'a joint avec 13% épique. Oui, moi penser son bon bagage, son bon bagage que yo appuyer éducation, mais faut-il bien que des objectifs très clairs qui collaient avec et budget. C'est ça nous poko jamais fait. Ou comprendre nous bay moun yo, nous bay chaque secteur en allocation, mais nous pas fixer des objectifs. Est-ce que objectif qui fixé pour le ministère de l'éducation qui gagne 13 milliards là, est-ce que pas gagne ti moun en âge d'aller à l'école et qui dehors le système là? Ou comprendre, c'est ça qui est important. C'est ça qui il faut des objectifs très clairs pour qui pour fixer, etc. Maintenant et gagne la séparation et les allocations pour chaque pouvoir. Ou comprendre gagner et sous dernier budget que le législatif li bay tête li n'importe qui budget li bay tête li n'importe qui augmentation sous budget pays a et puis li quitter judiciaire là avec une enveloppe de 1 milliard et puis lui même li gagne 7 milliards ou comprendre ça me dit et puis une demande pays a c'est la justice. Une plus grande demande pays, c'est citoyen, c'est un fonctionnement normal de la justice ça, et pour traiter la justice en parent pauvre et puis ou bail et législatif là l'année en haut il était sorti 3 milliards et pour doubler ou passer là 7 milliards. Roman tout simplement pour président sénat joindre 100 000 $ pour le payer Kaili et par contre pour chambre député etc. Donc voilà de tel et ou comprendre moi même toujours dit budget pays d'Haïti li tankou yon boîte pour reprendre des ayants droit fourré mais prend
vous comprenez, yo font d'appiant moun qui gen pouvoir nan men yo font d'appiant sou bien public là, ça nous besoin sorti nan schéma ça. Oui, les Jean-Louis, votre point de vue sur la question du projet de budget 2018-2019 que ministre des Finances et de l'Économie, Ronald Décembre, a déposé et dans le Sénat et dans la Chambre des députés, jour mardi qui était 11 décembre 2018. Là. Ok. Merci, Télor. Et ma pour une question, je vais vous poser là. Et professeur Augustin, qui est en fait amorcer un. On a dit non-sens qui gagne dans la formulation budgétaire. Alors, M. Edouard Paul, tu veux montrer une cohérence qui gagne entre objectifs que vous fixez avec formulation budgétaire. Moi, je vais répondre de manière ça. Et premièrement, je dis que gagne on s'est cité au niveau des élites politiques ou gouvernementales depuis quelques années. Et quelques années, c'est Nabdatel à partir de 2011, côté nous gain émergence pouvoir régime tête calée. Je veux dire, ou vin gon gouvernement composite et tête calée banane. Yon nan faiblesse, yon nan carence que élite politique ça qui traverse tout espace de pouvoir pour sortir de 2011 à date, c'est incapacité pour formuler et préparer un budget qui tenu compte à la fois de discours campagne te gagné et deuxièmement de questions sociales et problématiques sociales. Nous voyons que un discours de campagne avec formulation budget a gagné ça nous relé une incohérence et pour bagarre pour nous souligner. Deuxièmement, m'a souligné pour m'aller dans le même sens avec deux premiers intervenants, c'est que budget a c'est un outil de prévision. En tant que outil de prévision, il faut être capable de faire des anticipations. Anticipation dans le sens que si il y a des problèmes sociaux qui étaient posés, il faut que le budget soit capable d'anticiper pour éviter que les problèmes ne soient pas posés. Et si nous tenons compte de objectifs et besoins de la population qui ont été gagnés, qui ont été exprimés dans différentes manifestations que nous connaissons, nous pouvons par rapport à budget ça, sans que nous puissions entrer en profondeur là-dedans parce que li à peine déposé, li poko vulgarisé, n'a retenu encore une fois une incohérence par le fait que li pas en réponse à problème qui était posé déjà, d'accord, li pas en réponse à antériorité problème qui était posé déjà, li c'est en continuité du problème. Donc finalement élite politique qui composait espace pouvoir ça, qui composait gouvernement, donc son élite qui fait problème, donc qui montre incapacité pour résoudre problèmes sociaux et politiques. Alors, les problèmes de tous sortes, ça me donne la question sociale de l'heure. Troisième bagaille pour me dire, c'est que budget ça a un non-sens. Non-sens dans le sens que. Comment expliquer ça? Toute voie autorisée dans la société civile, tu as montré l'absurdité qui gagne par le fait que. Il y a deux rubriques qui sont plus importantes, qui sont indispensables dans la formulation du budget, c'est budget de fonctionnement et budget d'investissement. À plusieurs reprises, discours président Jovenel Moïse, c'est combattre la corruption, c'est entrer dans l'espace administration publique là, en politique d'austérité. Mais politique d'austérité a été au stade de discours. Et pour politique d'austérité, elle a atterri, puisque c'est le mot à la mode, il faut que vous commencez dans le budget. Or, il y a un premier outil d'analyse que nous-mêmes dans la société civile nous gagnons pour justifier question, alors nous dit pour justifier, d'adit que en meilleure approche qu'un gouvernement gagne par rapport aux objectifs qu'il a fixé d'une part, et deuxièmement, discours campagne, c'est budget. C'est budget qui montre est-ce que la travaille pour la population ou pas. Or, nous voyons que. Et il n'y a pas diminué le train de vie de l'État. Il y a un budget de fonctionnement qui est nettement supérieur par rapport à budget d'investissement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de capacité, il n'y a pas de jamais gagné pour résoudre le problème social. Et d'autant plus que pas de contrôle parlementaire. Et jusqu'à présent, pas de monde qui a dit combien de projets que l'État haïtien a exécuté dans un an.
Et nous voyons que gagne des voix dans la société civile là de temps à autre, surtout dans la ville de profession, qui toujours utilisait la voix de la presse pour dire que gagne des rubriques dans le budget qui te dit que tu as fait telle activité qui pas faite. Par exemple, on prend le cas de la vallée, on prend le cas de Bénin. Bénin, on te dit réparation route et c'était une rivière Bénin. Jusqu'à présent, budget, ça a passé. Ou bien non, l'autre budget n'est pas fait. Tu as électrification et la vallée déjà connaît. C'est qu'on a gagné et des démarches qui ont fait. Ou bien que gagné un mouvement, mais pas gagné rien qui dit que le mouvement a réussi. Donc, en fait, en termes de résultats, c'est que budget ou pas résultat. Dernier bagage qui gagne, c'est que un budget comme ça, par rapport à la configuration de la société haïtienne, ne fait que renforcer l'inégalité qui gagne. D'ailleurs, il y a des textes qui ont circulé sur les réseaux sociaux qui ont montré que il y a un flot de taxation que le nouveau budget a gagné. Par exemple, taxation sur matricule fiscale, taxation sur inspection des véhicules, etc. Donc, en fait, c'est une méthode pour condamner et renforcer les gens qui sont plus pauvres dans la pauvreté. Donc, nous sommes capables de conclure que le budget ça a. Sans que nous pas entrer en profondeur là-dedans, c'est un budget apparemment qui prend le gain pour renforcer l'inégalité et pas capable de porter réponse par rapport à la question sociale de l'heure. Je vais regarder moi, Antoine Augustin, qui est sociologue au même titre que vous-même, qui a avec une attention soutenue, et j'ai l'impression que vous rebondit. Non, vous rebondit sur deux aspects. Vous avez posé, Edouard Poultre, une question. Le ministère de l'Éducation nationale a pris la part du lion, 13% du budget. Je ne vais pas penser pour la part du lion. Parce que si vous regardez bien de l'or, la crise nous vient là dans le pays, c'est la crise de l'école haïtienne, la crise de l'éducation. L'école, ça, moment arrivé pour me questionner. D'accord. L'éducation haïtienne, la question de l'école. Pour me poser une qualité, bagaille ça, qu'il a, monsieur. Pour me guérir, nous voulons. Pour nous produire mode député, ça, mode sénateur, ça, mode gouvernance, ça, pour nous produire peuple à tout, dans la condition de déshumanisation du peuple arrivé là. Ah ouais. On a boulé, on a content, on a fait massacre, l'État pas dit, il fait gel. C'est le moment pour nous questionner l'école là. L'école ça, quelle école pour quelle société, quelle formation pour quel pays, quelle éducation pour quelle nation. C'est le moment même. Deuxièmement, 13% par rapport à la question inégalité sociale, 13% pas suffisant pour le budget. Mais comme nous avons un gros budget, 13% nous avons beaucoup. Mais quand même, pour l'éducation, c'est question ça. C'est le premier commentaire. Mon deuxième commentaire, je vais attirer l'attention d'un point de vue de l'analyse stratégique. Les budgets dans tout pays du monde sont des projets sociétaux. Les budgets expriment des enjeux de société. C'est-à-dire, est-ce que le budget est un outil dans la question privilège, dans la question atténuation des inégalités sociales, ou est-ce que le budget a parlé dans le sens de la continuité des privilèges? Donc, le budget exprime des défis et des enjeux de société. Or, il y a un problème que nous avons là, c'est que véritablement, on va pas passer dans l'université à la Sorbonne pour elle. Haïtiens effondrés, tout le monde pauvre, tout le monde plongé dans la souffrance, dans la grande misère humaine. Parce que vous comprenez? Bon, nous ne pouvons pas même poser problème d'inflation. Nous ne pouvons même poser problème rapport goutte dollar. Incidence li sur cherté de la vie, sur coût de fonctionnement simple citoyen. Nous ne pouvons même arriver là, non? C'est que budget, en bout de ligne, si vous gardez le bien, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans pour nous faire analyse détaillée, non? Mais sous tant d'expressions qu'a dit, yo, en bout de ligne, budget a renforcé dominant. Yo. Gozouzoun yo. Il renforce, donc la parole plonger davantage mon grand bayo. Ça nous a dit, osez dire ça déjà. On nous passe là à un autre point qui est aussi important que le point que nous sommes développés. Et là, m'a pas adressé à Edouard Poultre. Edouard Poultre, écoutez. Gagnez les avocats du barreau de Port-au-Prince a observé depuis déjà 2 mois un arrêt de travail illimité. Suite à un incident qui était enregistré dans le parquet Port-au-Prince, le jour mardi qui était 9 octobre 2018, côté avocat a greffé ta victime d'agression physique. Et dans ce sens, ça, eh bien, tu as pris le gagnant Limogeage, directeur départemental de l'Ouest, Bergson Soljou,
Et finalement, il conduit tout à la démission du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Clamé Oknam Damius, Jean avocat a été exigé l'an. Ça va penser? Bon, et finalement, et commissaire gouvernement ou est nécessité pour tirer la révérence. Moi, je pensais que maître Damius, bon, mais son commissaire de gouvernement et il n'est pas préparé pour ça. Moi, je pensais que il n'est pas préparé pour assumer une grosse responsabilité comme ça. Ça faut dire ça. Les simples citoyens percevoir, les tant qu'un agent exclusif de l'exécutif. Il prend l'ordre seulement et exécutif là et puis il pas connait qui gens pour le manager et ensemble de bail ça pour l'opinion publique. Donc le simple citoyen percevoir il tant qu'un agent de l'exécutif au lieu d'être un agent du système judiciaire. Ça c'est le premier bail me capable dit. Et deuxième bail là c'est que ou senti que il manquait triture en tout cas pour l'exercer mission parce que on a connu d'autres commissaires du gouvernement même sous la dictature moun qui était paraît ou comprendre un peu indépendant par rapport au pouvoir et il était communiqué en tout cas style ça que c'est des magistrats que vous voyez et yo pas prend l'ordre mais lui-même lui vraiment communiquant l'autre perception de commissaire au gouvernement qui était agacé en quelque sorte citoyen également membre barreau Port-au-Prince. Et donc moi-même moi pensais que c'est une démission qui vient très tard. Et gouvernement lui-même, comme son gouvernement qui est très faible par rapport à question construire une image et une image de du pouvoir et ou reprendre les difficiles sont gros questions m'a posé là un gouvernement et une exigence li c'est construit et une image pour citoyen ou percevoir l'on façon ou reprendre comprendre et image là en façon accepter image là en façon mais qui ça lié et qui Jean gouvernement fonctionner il fonctionnait tant coup comme si m'ta dit un gouvernement apache tant coup yo fonctionnait comme des apparatchiks ou reprendre dans style Union soviétique et yo monté sous citoyen Jean Pipito ou reprendre il y a roulé dans la rue et puis sirène toujours dans la rue alors que dans tout pays civilisé c'est la police avec ambulance seulement qui doit poser sirène, c'est pas vrai? Tout à fait. dans tout pays qui a pas avancé c'est pas officiel gouvernement qui a mis des sirènes dans la rue à moins que vous approchez un gros personnalité et politique étrangère et pour ouais en visite d'état dans pays a gagné sirène ou comprendre mais dans la majorité à la Saint-Domingue c'est la police avec ambulance seulement qui doit mettre sirène ou pas le officiel ou pas n'a pas monté sous citoyen comme ça. Donc et gouvernement ça li hérité de système ça de Martelly de gouvernement Martelly li continue le même genre et puis citoyen ou percevoir que gouvernement a fonctionné et ou comprendre li fonctionner comme des apparatchiks
comme de monde qui vient faire d'appuyant et puis qui vient exercer un pouvoir illimité sur tout la ville et sur tous les citoyens. Et comme moi dis, il fait ça au bibito. Donc, commissaire gouvernement, li suivent même pantan, même direction, li pa gen triture. Ou reprendre pour le comprendre, faut le démarquer li de bay ça. Et puis s'il vous plaît, yo reprendre sans m'a pas employé un mot un peu bay sans par contre si m'gen droit dit li mais et sans aucun respect et toute vite yo monté toute vite yo monté et puis vite yo complètement opaque, personne pas ouais ça qui passer là-dedans. Yo des fois c'est un chauffeur seulement qui là-dedans, yo pas gen officiel là-dedans, yo ou reprendre, et puis il y a monté sous tout citoyen comme ça. Ou reprendre vraiment ça a vraiment agacé et moins qu'on est l'agaçant pile moun dans la rue, mais finalement faut nous divorcer avec mode de gouvernance ça et Jean l'exprimer image li Jean le communiquer image li à res citoyen et m'croit que gen quelque autorité m'tendé qui pas suivre modèle ça. Mais ou capable dit généraliser en quelque sorte que yo tout qui gen machine officielle et vite complètement opaque yo fonctionner dans même système. Mm-hmm. Oui, Jean-Louis. Grève illimitée avocat Barreau Port-au-Prince conduit non seulement au limogeage du directeur départemental Ouest Police Lamberson Soljou, mais aussi à la démission du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître réclamé Ognam Damius. Votre point de vue? Démission et commissaire Ognam Damius et Telorigo, qui vient très tard, c'est une démarche qui bat résultat, puisque avocat qui constitue à eux-mêmes, par un effet de solidarité de paix, un groupe de pression, il bat résultat parce que ça a été besoin, c'était démission commissaire là, donc finalement arrivé là, donc c'est une bataille et yo gagne une bataille contre l'opinion, mais en fait problème justice là en soi pas résoudre, problème poste commissaire du gouvernement li pas résoudre en soi. Ceci dit, m pral gagne quatre argumentaires qui pral montrer ça. Premièrement, poste de commissaire du gouvernement sont poste qui en crise du fait que, et si nous remontons à l'ère de Martelly, après que sous régime Martellien, nous t'es passé environ 13 commissaires du gouvernement. Qui montre que pour cela, tant qu'on poudrière, quel que soit le monde qui chita souli l'a sauté, et finalement, nous voyons que l'histoire pour cela montre que on entre là-dedans et qu'on façon pour sauter majorité monde, majorité commissaires du gouvernement contraint pour démissionner. Par le fait que post commissaire du gouvernement, dans la réalité des faits, li tourner comme un appendice pouvoir exécutif. Donc étant quoi tu sais revendir le bras répressif d'état, appareil répressif d'état. Donc commissaire du gouvernement pour sa fonction en lui-même, li vin un appendice de appareil répressif d'état puisque li fait travail de persécution politique que pouvoir lui-même li souhaitait faire. Si n'a remonté dans le temps après que l'même temps de démission, chaque fois m'dans de démission, me songer à Edzer Villère qui datait de 1903 qui était occupé pour ça tout côté non Alexis te mandel pour te arrêter un riche commerce à l'époque qui était Bartoli Price que Edzer Villère sous à la troisième occasion sous insistance en non Alexis te contraint à la démission et c'est ça qui t'a inspiré le phrase ça que avocat a toujours répété chaque fois justice là de Apo Lambert, il dit la justice ne se nourrit pas de scandale et lameur. Donc finalement justice là toujours en deuil par le fait que gagner des comportements que commissaire du gouvernement est toujours développé qui fait que au fini comme ça. Donc il est regrettable. Donc poste là sous poste en crise, il tourne en appendice, donc il instrumentalise le politiquement.
Donc commissaire du gouvernement tout non bourreau cap agi cap fait persécution politique avec un objectif partisan pour défendre pouvoir et non défendre la société. Deuxièmement, gien pile mémoire de licence qui fait en dans université notamment avec ressortissant en droit qui montrait nécessité pour gagner une réforme au niveau de commissaire du gouvernement. Gien moun qui même rivé parler de procureur de la République, yo pense que poste là en soi li pas garanti une certaine indépendance à moun kap développer là. Yo wè que poste là en soi li réduit à la servitude et à la domesticité moun qui occupe là au service du pouvoir. Donc nous pensons que dans le cadre d'une réforme de la justice, ta doué gagner un passé mais qui fait n'importe ça en soi pour garantir à la fois une certaine indépendance, une liberté d'action à commissaire du gouvernement pour pas finir dans une situation similaire comme ça. Mais tout discours qui fait démission pas ranger en rien parce que réalité a montré que gon pattern, gon comportement qui est pour arriver non pour ça ou pas développer le fort obligé démissionner gon pattern. Troisième bagarre c'est que yon commissaire du gouvernement li c'est pour nous-mêmes, ils sont intermédiaires entre la société politique, espace de pouvoir puisque c'est gouvernement, alors c'est exécutif là qui nomme et la société non politique qui c'est société civile, li ta doit incarner un idéal de justice sociale. En réalité, si nous gardons dans cas au Knam d'Améhusan, monsieur pas incarner idéal de justice sociale là. Il montre très clairement qu'il est un outil de persécution, qu'il est un artisan du pouvoir. Par exemple, il a arrêté des prétendus monde qui t'a fait pillage dans 6-7 juillet. Mais t'es gagné monde qui t'a boulé marché, pas de démarche que commissaire du gouvernement t'a fait. T'es gagné lycéen artisan qui te travaille que non cité dans destruction dans démolissement qui te fait et dans pétion dans pernier dans pétionville là commissaire du gouvernement est impuissant et autant de dossiers comme ça qui montraient que le commissaire du gouvernement n'est pas impartial, l'a fait un travail, l'a travaille pour monde qui nous milieu. Or il est obligé en tant que procureur de la République li incarner un idéal de justice, faut qu'il ait un comportement qui éthique, faut qu'il ait une bonne conduite qui réponde à s'entarer la valorisation des mœurs sociales, des mœurs des pratiques sociales, un idéal de justice. Ce n'était pas le cas. Donc en fait continuer avec un poste comme ça, autant de monde qui a nommé là-dedans, c'est autant que il y aura un pourrissement de la crise. Donc finalement solution pas une solution là, donc changement de personne pas changer rien, changer pas tant ça. Pour nous-mêmes, nous estimons que un commissaire du gouvernement a dû gagner dans la position ça et une démarche intellectuelle. Ça nous est une démarche intellectuelle, c'est que nous prenons intellectuel là dans le sens que il doit se définir dans le texte les intellectuels et le nouveau pouvoir. C'est dit, l'intellectuel c'est celui qui tente de parler vrai au pouvoir. Ça veut dire commissaire du gouvernement t'a doué le porte-voix de la voix des sans voix. Oui, tout à fait. Dit vérité. D'accord. Dit vérité. Il pas t'a doué partisan. Or, ce qui caractérise l'intellectuel, c'est le désintéressement. Il pas doué partisan. Il doit incarner un idéal social. Et ça fait nous dire que quel que soit le monde qui entre dans le poste, qui a une démarche technicienne, c'est fait poursuite judiciaire. Fait arrestation sommaire, fait persécution politique, li entre dans une démarche technique, li pas intellectuel, l'a fini, Jean Oknam clamé d'Améus finir. Autant de figures n'a mette dans l'espace ça, sans nous pas changer, réformer, ça les postes commissaires du gouvernement, c'est autant que la crise va pourrir. Alors, sans seul petit réserve bien sous point court sur développer, c'est sur le fait que. Fois ça, c'est pas gouvernement qui mettait commissaire gouvernement dans situation pour le démissionner. Ouais. Donc c'est société, hein, ce sont les avocats parce que gouvernement comme montré que il était à l'aise avec monsieur au point que ça gagne longtemps que exigence ça fait, mais il pas jamais arrivé et il pas jamais bah, suite avec lui. Voilà, mais ça fait ou pas de bali et parce que il t'a fait travail pas roi. S'il pas t'a fait travail pour t'a continuer à démission. On prend le cas de Bougouin, commissaire Bougouin, comment il t'a fait démissionner?
il était démissionné parce que au ballon travail que il trouvait que et c'est pour un travail que le café avec la bonne conscience il démissionné. Mais qu'on y a là le fait que les sociétés civiles là qui contraignent monsieur à la démission montrait que les bails satisfaction par rapport à ça que pouvoir attendre de lui comme commissaire du gouvernement. Tu m'entends dire Antoine Augustin sur le même dossier ça. Bon, et intervenant yo qui parle avant yo qui était brièvement en question. Je pense que vous dites fondamentalement l'essentiel, mais il y a quelques commentaires, m'a fait un petit analyste. Ah. Un premier commentaire, c'est sur l'aspect Edouard Poultre mettez accent sur l'IA. Comment le peuple a oué l'État? Comment le peuple a oué le gouvernement? La question de la représentation sociale. Le peuple a une façon de voter là. Et façon ça a découlé de ce fait. Yeah. Assez souvent, en Haïti, durant les 30, 40, 50 dernières années, qui sont constatés, ouais, que ont vraiment un fossé, une inadéquation entre son a dit et son a fait. Donc, peuple a ouais, ou qu'a pensé peuple a pas ouais, ouais. Par exemple, pendant longtemps, nous disons c'est bel garçon. Peuple a ouais, nous gué madougou. Ou pareil, même l'homme dit ça dans Mikola, peuple a ouais, nous gué madougou. On dit, oh, gade yo, mais yo, mes amis. Peuple a ouais. Peuple a ouais. Même si elle pas dit rien, yo ouais. Donc son premier aspect, la question de la représentation sociale. Or, question de la représentation sociale là est découlée de plusieurs facteurs. D'abord la question morale et éthique. La question morale et éthique. L'État pas de morale, l'État pas d'éthique. Peuple a ouais. L'État parlé, peuple a dit menti, a fait. Peuple a ouais. D'ailleurs dit, ah il a pas l'augmenter comme ça. Regarde. Donc, son premier point, parce qu'il est important. Le deuxième point qui est important, son analyse pour nous faire sur grève Baroua. Oui, grève Baroua exprime une revendication éthique et morale, parce que grand monde Baroua qui était victime de l'arrogance du pouvoir. Et donc, il m'a demandé justice. Mon cher Mbadou, avant vous, bon bagaille. Même mon débat où il y a dans le pays. Gardez justice là tout. Yeah. Avocat yo qui me paye à la. Mais yo vlot, n'est-ce que plein de bise cause et puis gagne l'argent, m'a pas plein de cause. C'est moment tout pour interpeller. Parce que quelque part, yo exprimé rapport oligarchique l'État. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'avocat pour plaider cause ou... Il peut être toute cause, mais qu'on dimension ça et intervenant oui. Avant non, oui. Parle de la dimension intellectuelle, qu'on déficit intellectuel, qu'on distance critique nécessaire pour qui observer non pratique yo. Donc, moi bat bravo pour monsieur parce que font grève illimitée qui aboutit à démission au CNAM d'Améus et qui tout. Et démission directeur police de l'Ouest là. On dit bravo. Voilà un bagage qui est correct. Un secteur de la société là, où elle doit menacer nos domaines, il crampe, il gonfle pour être complet. Même dit monsieur tout, on nous gonfle pour être nous, pour nous réformer le système judiciaire qui tourne en voilà. Graine dans voilà. Les peuples là. Yeah. Et ça est important, mais interpellez-nous, monsieur les membres des différents barreaux du pays, donc du barreau national. Mais interpellez-nous. C'est moment là pour nous regarder les questions. Parce que dans son premier question, pour nous dire. Un deuxième bagaille, c'est sur CNAM d'Améus lui-même, que je connais très bien parce qu'il a été à la faculté de technologie, même quand j'étais doyen de la faculté. Je le connais un petit peu. Donc, sous garde de trajectoire, trajectoire sociale, ouais, est-ce que ça va toucher la théorie fondamentale? Nous avons les théories sociologiques, bah oui, sous question ça. Nous ne pouvons pas faire la matinée. Hein? Soit le suivre trajectoire, nègre, député, sénateur, président. Quand est-ce que vous venez de sortir? N'est-ce puis t'as mal aéré. Quand est-ce que vous sortez? Si suivre trajectoire, nègre, ou après, ce sont des nègres qui petits paysans, petits marchands, petits ouvriers. Mais nègre, vous arrivez dans l'état ça. Mais comportement, monsieur. Donc, vous avez un problème qui est fondamentalement un problème éducatif. La crise de l'éducation. Nous n'avons pas d'humilité, nous n'avons pas de. Et puis, les gars arrogants sur le peuple là. Les gars arrogants. Et ces bagages, ça m'a indigné. Les gars gardent le comportement. Bonne humilité. Faut toujours être côté de nous, monsieur. Faut toujours être fidèle à l'histoire sociale. Nous. Il y a des gens qui veulent bourgeoiser. Il y a des gens qui, dans le transfert de classe,
parce qu'on vient pas dans la société du paraître et de l'avoir. Autant de belles machines moyen, autant de comme grand banque, c'est le monde, non, c'est pas ça que faut monde. Il a nous été nous-mêmes. Autant d'amis ont un problème avec elle. Monsieur, dans l'événement 6-7 juillet, monsieur a arrêté, on s'est dit malheureux. Monsieur a quitté ses boulots. Il dit, la guerre malheureux. Monsieur a quitté ses boulots qui montait dans la radio. Il dit, la guerre yo. Monsieur parle dans la profondeur de bagaille. Et là, on a boulé marché. Nous ne sommes pas trop. Si machin qui perd l'affaire, nous ne sommes pas trop d'amis. Comme le défenseur des déshérités, des plus vulnérables, des plus pauvres. Mais tout problème, non, c'est histoire sociale. Une dimension anthropologique et sociologique. Côté nous sortir, assez souvent, tellement rappelé des souffrances terribles. Nous honte, dit nous sortons dehors. Donc, aspect ça important. Ou l'autre bagaille qui est important pour nous, qui est nécessaire, me penser pour nous mettre en face au lit. C'est nécessité pour qu'on réflexion même sur, intervenant avant mieux pour ce problème, non, sur le poste et la fonction du commissaire du gouvernement. Quelle mission assignée à un commissaire du gouvernement? En plus, il y a une définition pour qu'il gagne pour actualiser dans des textes et pour une dimension légale formelle, mais il faut gagner une interpellation. N'importe qui n'a pas qu'un commissaire au gouvernement. Yeah. Ruben, mais c'est son élève n'a pas assisté à son tacaré l'été là, la désacralisation de la fonction du commissaire au gouvernement. Son bail banal, il vient de nous bail banal. Et ma prête est là sous prince Ayo, mais pour nous dire que monsieur Barouyo, m'bat bravo pour nous. Mais qu'on a demandé nous rentrer dans le chantier pour nous allemagner question système judiciaire dans le pays pour côté contribution, nous pour aller mieux pour le peuple. Voilà, madame, monsieur, c'est là que nous mettons fin à la première partie émission Pile loin, pile fond. Côté, nous avons accueilli trois invités de marque. Antoine Augustin, qui est sociologue, prof à l'Université d'État d'Haïti, coordonnateur du Centre d'éducation et d'intervention sociale. Édouard Paul, qui est coordonnateur du Conseil haïtien des acteurs non étatiques. Et Willy Jean-Louis, qui est sociologue, doublé de spécialiste en renforcement institutionnel et évaluation de projet. Et on compte pause, n'a plus. Pile loin, pile fond. Pile fond. Pile fond. Tous les dimanches, 11h, 12h30. Ajouter dans ça que nous tendez là. Et question justice, ça, m'a bon on thème. Question de détention préventive prolongée. Mais il y a un domaine qui montre que parquet a fait faillite. Parquet yo en faillite. Yo pas traité dossier yo. Et l'on regarde tout rapport organisation droit mounio, que ce soit GILAP, que ce soit RNDDH, Défenseur Plus, etc., où est que il a dénoncé un sujet côté n'importe qui moun prend, n'importe qui moun li pa kel nan prison, depuis le gen pouvoir nan men li, et puis c'est fini. Moun yo et juge d'instruction, moun kap traité dossier yo, qui pou fè transférer dossier par devant la justice, ça qui dewe al devant la justice, yo pa fè job yo, yo vini à 9h, 10h nan matin, yo allé la kayo à 1h de l'après-midi, yo fait 2-3, bah, et puis yo fini. Et c'est pas juge qui manquait. C'est pas juge qui manquait. Donc, commissaire gouvernement, yo, en général, yo pa fè job yo. Yo pas fait job yo, yo pas exigé un traitement ensemble de dossier, yo pas fait suivi yo de telle sorte que jodi a si gen 8000 moun nan prison, gen 6000 qui en détention préventive prolongée.
et puis pas un jugement qui fait tribunal yo. Deuxième mail pour d'arrimer vraiment que nous comprenne et rapport yo où est que la justice a fonctionné sous deux niveaux, un niveau qui sous contrôle gouvernement qui sous contrôle gouvernement et puis un autre niveau qui sous contrôle CSPJ. Vous comprenez, tribunaux yo compétence CSPJ et puis parquet yo tout juge d'instruction yo c'est côté mal là pi aigu ya roman ces questions et instruction dossier ces questions traitement et judiciaire ou bien juridique dossier qui devant parquet maintenant nèg yo pas fait job yo et commissaire gouvernement yo très souvent yo pas bail résultat et à justiciable. Donc ça son gros malheur lié. Deuxième bail m'daremé rebondi sous lit et professeur Augustin saute parler de lit très avec brillance taléa et ces questions civilisation du paraître, une civilisation de l'avoir au lieu d'être une civilisation de l'être. Vous comprenez, voilà ce que montrent nos gouvernants. Vous comprenez, depuis yo rive au pouvoir, il faut que yo gon machine 8 cylindres, il faut que yo gon machine et vous comprenez de couleur noire, vite yo opaque ou comprendre c'est comme ça yo c'est une civilisation de du paraître, une civilisation de l'avoir alors qu'au gon l'état qui faillit. Ou comprendre ou gon l'état qui sous la graba et dernièrement yo rapporté moi gon ministre qui c'est pas sous gouvernement séant mais c'est sous précédent gon ministre yo lè ou paraître yo fait ou acheter machine neuf pour yo ou comprendre yo acheter machine neuf et puis il pas satisfait et son tête bœuf il pas satisfait de intérieur machine nan il fait yo refait intérieur machine nan moun a sorti à l'étranger vienne refait intérieur machine nan et pour lui avec comme l'État, avec COB, et on finance l'État qui a atteint. Vous comprenez ça, Mamdou? C'est sa civilisation du paraître là. Nous bouquons avec mode de fonctionnement ça dans un pays aussi pauvre. Edouard Paul, avant que nous abordions l'autre point qui est aussi important que le point que nous avons développé, une question que nous avons posée, et vous-même et Antoine Augustin, pour quelle raison? C'est accueil que nous fait à présence Willy Jean-Louis, qui c'est un jeune dans le panel. Est-ce que vous avez une façon pour la jeunesse là, qu'il faut content que monsieur là Edouard Paul d'abord. Oui. Accueil de. Accueil nous fait. Un jeune dans parmi nous là. Est-ce que vous avez une façon pour la jeunesse là? Parce que moi content du fait que. Bon, je souhaite vous réagir avant. Je vais réagir. Non, nous n'avons pas de problème. Parce que pas un problème de jeune vieux moins jeune bon, d'abord ouais l'articulé ça l'a dit une expression donc c'est on son nos bagages pour faire autre vite. Deuxièmement moi qui dois Paul c'est vrai nous anciens bagages là donc n'accueille positivement et m'a apprendre découvrir l'eau parce que nous pensons pas y a pas gamon c'est peut-être nous pas des lieux des canaux côté nous qu'à concerter nous qu'à réfléchir ensemble pour nous pour ton meilleure contribution à la situation pays donc on passe son bon bagage côté éviter la vision me rebondis sur ça et bon moi même premier effet que me gagne et Willy c'est que nous sommes parlé du civilisation dont une civilisation du paraître de la foi et versus son civilisation de l'être. On d'amener une civilisation du savoir et ajouter une civilisation du savoir parce que ça crivait la connaissance est dans les livres et ouvre les yeux des un pile monde par exemple dans la fonction publique moins qu'on est qui a vivent dans la civilisation du savoir et civilisation du l'être. Pourquoi
parce que yo formé pour ça, yo lit en pile, Roman yo lit en pile, mais il est vrai que gade moun nou konnen qui rivé au summum de l'état et puis qui pas préparé, c'est ça mamdou, manque de triture, moun yo pas li, moun yo pas Roman yo pas observé qui gens le monde a fonctionné. Yo fait n'importe quoi dans la fonction publique et c'est ça qui mettait pays à sous la grabat. C'est ça qui fait nous effondrer au plan moral, au plan éthique, pays a pas qu'à fonctionner parce que tout le monde sont d'appuyant puis a fait sous l'état. Alors point ça il doit pour le soulever ou qu'a font réflexion critique. Plus mon yo conduit plus yo vulnérable. Parce que on a ici il faut du courage pour dire là, avec beaucoup d'humilité. C'est moun ki kon li ki mette nou la. Nèg ki kon li yo, y accepte tout bagay de l'état, y accepte tout bagay sou dirijan, kade sa k pase sou matin, kade sa k ap fè tout jounèl. Yeah. Est-ce que bon? Ki moun ki bon kote, ki moun ka pale tout la jounèl nan radio nan télévision. Y a moun ki kon li, anè ki gen doctorat. Anè gen doctorat. Problème nan c'est pas grade académique la télé. Le savoir son sagesse. Voilà. Son humilité, le savoir son distanciation, le savoir son engagement. C'est le rapport entre la science et la société. Plus on connaît, plus pour bailler, pour mettre au service de la communauté. Non pas pour au service des dominants, au service du pouvoir. Et non, ça y est là. Que monde qui connaît, qui mettait peuple à côté, peuple à y est là, je veux dire. Et ouais, peuple a reproduit. Même ça, ouais, il a fait. Il a volé dans l'état, peuple a volé en bas. Ouais. Et ça, son là est très important parce que. Nous venons dans une civilisation de la grande décadence. Système pourri, pourri tu as, ou elle. Sans transition, Antoine Augustin, sans penser du dossier d'Amalogla. Mon cher, dossier d'Amalogla, je n'ai pas gagné données matérielles pour y mettre un jugement. Nous avons une intervention sénateur Yuri Latortu, qui a enquêté. Moi, une intervention. Et bureau de la présidence là, des pour courir des menti, faut le gratter toujours. Sans m'abdou, un problème essentiel. La question de dialogue là. Problème là, yo dit y a le fait, y a pour un compagnon allemand, un compagnon étranger au nom de la sécurité nationale. Ils sont dans des oui. Ça veut dire qui ça? Qui ça veut la sécurité nationale? Qu'est-ce que sécuriser la nation? Qui ça? Allemand gen pouwe, français gen pouwe avec quatre identifications nationales par nous. Fichier par nous. Données démographiques sur Haïti. Données histoire sociale haïtienne parce que gen la jou côté sorti dans qui zone qui ba monsieur, mais qui ça nous y là? Ou imagine dominicain Capral nan salier là, a pas fait ça non. Mais t'es là, sans cadeau dossier démologue là. C'est la question, n'a pas fait l'argent. Et n'a pas fait l'argent dans n'importe quelle condition. Barre la rien. Mais au-delà de ça, c'est en logique de pouvoir tout. Parce que derrière cette carte d'identité, il faut voir les grands enjeux de demain. Je ne vais pas trop opiner sur ça qu'on y a là, non, parce que faut nous bien gratter. Sous question, je ne vais même parler de première dame. Je vais parler de question de la souveraineté nationale. L'on me dit. Et directeur général là, oui, nous m'attendons de Michel Bayon en conférence de presse. Je dis que oui, c'est moi-même, directeur général, qui t'a choisi compagnon. Et parce que son dossier de sécurité nationale. Ça nous est la sécurité nationale. Comme si, nous avons absolument de pays encore. Nous ne pouvons pas la sécurité nationale. Donc, c'est des problèmes très sérieux qui doivent interpeller nous, je ne veux dire, à côté nous. En réalité, ça va bien là. Ce système là décomposé, qui finit. Il finit. Il finit. Et pratiqué au grand jour après révéler nous la mort véritable du système. Et nous avec. Et pour finir sur ça, t'es là. Ça qui m'a parlé, question éducation, l'école là. Jacques dans les gouverneurs de la Rosée, mettait en scène deux personnages. Pablo son roman paysan, qui déroulait fond rouge, etc. Monsieur met en scène Delira bien-aimé. Et petit garçon Manuel. Vous rappelez Manuel dans le coupé grand Cuba en Haïti.
dans un dialogue de Lira avec maman, de Lira dit, nous mourons tous. Oui, nous mourons tous. Manuel répond, non maman, la vie de l'homme c'est un fil qui ne casse pas. Parce que chaque vivant il fait un nœud, c'est ce qui la rendura pour les siècles des siècles. Delira tourne, il dit oui, nous mourons tous. Nous, les arbres, la terre, n'a mouru graine par graine. Haïti, son pays qui a mouru vrai. N'a mouru vrai. D'abord, nous, quand on a marché là, nous, c'est des morts vivants. Nous, c'est des morts vivants. Comment expliquer ça? Il a dit, n'a mouru avec souffrance pays, nous s'allier là. N'a mouru avec un désespoir, nous, le pays n'a pas changé en bas gêne. N'a mouru parce que nous. Edouard Paul. Yeah. Donc, le dossier d'Hermalogue. Antoine Augustin. Oui, bon, ma pensé sur question d'Hermalogue. Là, il y a des questions qui dérangent. Et ceci sincèrement. Je vais remettre dans l'introduction ça. Et saluer courage sénateur La Tortue avec sénateur Boublan qui initié question corruption en le pays pour yo faire mon cœur yo montrer en tout cas en pile courage parce que pays d'Haïti sous elle pas qu'à avancer corruption son bagaille majeur qui kembe pays. C'est pas des moun ou pas qu'à faire critique sou yo. Mais yo manye un dossier question bagaille Petro-Caribé konye question d'Hermalogue et puis question et la douane et en tout cas et bah douanier et comment yo dit ça et exemption de douane que yo baille on ensemble franchise douanière que yo baille on ensemble de privilégiés en dans pays et bah ça et li et nous obliger et nous moi-même moi très content que au niveau au plus au sommet de l'État des monde qui gagne courage ça qui manien dossier corruption en dans pays. Deuxième bagaille m'dare me dit moi tendez hier et gon l'autre bail qui décou qui m'dare me fait citoyen ou comprendre. Et nous avons une émission radio qui très écoutée. Jean Web a fonctionné dans question corruption et ouais attaque que yo fait que pouvoir et des éléments de pouvoir a fait sous sénateur La Tortue. Yo dit oui sénateur La Tortue mettez dossier à dehors parce que et les besoins privilégiés ont dossier pâle comment les smartmatic ou reprendre